le départ de notre montée sur les crêtes. Et puis alors c'est hyper raide. Hein. Ouh. Petit sentier. Jacques porte, Lucky fait rouler. Moi je fais rouler aussi. Casque. Eh? Casque. Casque. Bah oui, puisqu'on va à la Bamba. Où aller? Il y a une super. Mais c'est fermé à clé de toute façon l'observatoire. C'est rien. Tu as accès par internet. Tu dois même pouvoir piloter la. Tu connectes dessus pour voir ce qu'il voit. La lunette. Comme une webcam. J'ai essayé, je suis pareil. Ben, il faut l'adresse. Je l'ai. On a vu, Robert. Ah, comme ils sont fatigués tous. Ah, j'avais mangé à mon temps, moi. Oh. Oh, ouais. C'est pour ça que je prends du temps. J'ai pris des photos, j'ai mangé, j'ai bu. Et nous aussi. Et en plus, on a avancé. Plongée sur la cabane de Cheval Blanc. Qui se trouve là. Allez, on entame la descente. Là, il y a une petite remontée. Pas grave. Avant-hier, on a eu du monde. Ouais, c'est bien connu, ça. Ouais. Ah, hein, cabane de Cheval Blanc. Hein. Ouais, il faut y venir quand même. Café. Où il est le patou? Vous cherchez le? Le patou, il est parti. Il est là, il est en dessous. Allez, t'es allé voir les brebis. Il y en a qui sont, elles sont en bas. Elles sont, ouais, elles sont là. En bas, là-bas. Ouais. La cabane du Cheval Blanc. Il y a pas son mangeoire dedans. Ouais. Ouais. Eh bien, on va pas faire ça, on va descendre le chemin puis on va couper dessus. Ouais. Ouais. Ouais, parce que sinon on est en pleine là. Non, on va descendre droit puis on va passer où on passait. Ça va. Avec le berger, là, pareil. Faut aller rechercher. On traverse jamais les troupeaux, on sait que c'est le bordel. On va se remonter sur le vrai parce que. Ça mal en fait. Descente de la cabane. Prendre l'allure, ça passe. J'ai même pas vu qu'il y avait un virage. Je t'ai dit, prendre l'allure. Ça y est, on rattrape le fond du vallon. Joli petit chemin sous bois. À Lucky. Continue. Ouais, continue dans le S. On est sur la fin de la descente avant la piste qui nous ramènera sur la route. Jacques. Woohoo!
Et Lucky devrait suivre, mais je pense qu'il est en train de regonfler sa roue là-haut. Il a l'impression d'avoir crevé.